Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne T10Vap. Aujourd'hui on se retrouve avec Benjamin. Comme par hasard. Salut à tous. J'étais tout seul dans mon canapé, je tourne ma tête, t'es là. C'est magique. Dès qu'il allume la caméra, j'apparais. Bah ouais, je vois ça. Alors que je me suis assis vraiment tout seul. Alors, Benjamin. Yes. L'heure est grave. Aujourd'hui, l'heure est très très grave. Attention. On a été au salon Le Vape Expo, comme on l'a dit sur les précédentes vidéos. On a testé énormément de liquide. Je cherchais un mot qui était au-dessus d'énormément, mais il n'y en a pas. On a testé énormément de liquide. On est revenu avec quand même quelques liquides à vous partager ici. Et parmi ces liquides, on a une petite gamme vraiment sympathique de chez Savoréa qui s'appelle le Petit Verger. Voilà, tout à fait. Et le Petit Verger, aujourd'hui, il y a 8 saveurs dans le Petit Verger. On va vous en présenter 4. J'en ai choisi 2, t'en as choisi 2. Pas de jaloux. Et les deux, les 4 prochaines saveurs seront à découvrir sur le calendrier de la vape qui aura lieu du 1er au 25 décembre de cette année. Et ouais, voilà. Les amis, déjà bientôt. On est bientôt sur le prochain calendrier de la vape. Ce sera déjà le 3e calendrier de la vape qu'on va faire. C'est énorme. Le temps passe vite. Le temps passe très très vite. Et d'ailleurs, la chaîne a 3 ans. D'ailleurs, j'ai une petite information comme ça, la chaîne a 3 ans. Voilà. Oh, ça se fête ? Ça se fête. Bon, à l'Oasis, mais ça se fête. Allez, à l'Oasis, une gorgée d'Oasis, joyeux anniversaire. Ouais, merci, à toi aussi. Hein. Ah, bien vrai, 3 ans déjà. 3 ans, la chaîne a 3 ans. Donc on a vu énormément passer de liquide en 3 ans. On a vu énormément passer de matériel, de liquide, etc. etc. Mais le Vape Expo a été vraiment hyper bénéfique pour nous, pour la chaîne, on va pas se mentir, mais... pour nous personnellement aussi, parce qu'on a découvert des nouvelles saveurs. Et cette gamme, le Petit Verger, a fait quand même beaucoup de sensations, je trouve. Parce qu'on a eu des saveurs vraiment authentiques. Savoréa s'est encore une fois surpassé en créant une petite gamme. Vous verrez, il y aura une autre vidéo où il y a une autre gamme qui s'appelle le Petit Gourmet aussi. Et du coup, donc c'est 4 liquides. 4 liquides que nous avons juste ici. Donc nous les avons en 10 ml, mais ils sont disponibles en 50 ml. Et donc on va tester aujourd'hui cassis framboise, pêche litchi. C'est moi, tout à fait. Et les tiens sont kiwi mangue. Non, kiwi mangue, c'est moi. Cassis framboise, c'est toi. Voilà. Pêche litchi, c'est moi. Kiwi mangue, c'est toi. Et non, ananas, c'est toi, kiwi mangue. Kiwi mangue, c'est moi, pardon. Et ananas coco, c'est toi. Voilà. Donc, on a choisi 4 liquides qu'on vous teste, du coup, maintenant. Donc, les choses importantes à savoir sur cette gamme, c'est une gamme qui est sans colorant et sans sucralose. Donc, ça, c'est hyper important. Donc, safe pour vous, mais aussi pour vos résistances, votre matos. On va tester ces liquides en 0 mg de nicotine. Tout à fait. Et en 50-50. Et en 50-50. Voilà. Je vois que tu as été fouillé un petit peu, c'est bien. 50-50. Et du coup, ces flacons sont disponibles en 50 ml, boostés en arômes, qui vont vous permettre de les nicotiner jusqu'à 6 mg. Du coup. Et bah écoute, qu'est-ce que je peux dire de plus, mis à part que ce sont des produits Made in France. Voilà. Très bien, faut le signaler. Made in France, c'est hyper important de le dire. Et puis, bah, place à la dégustation. Alors, cassis direct. Bravo. Cassis direct. Vraiment, c'est le cassis est présent. Le cassis est présent. Dans un sens, moi, je préfère que le cassis soit plus présent que la framboise. C'est bien, j'avais pas le deuxième. Non, la framboise, elle est légère en fin de vape, je trouve.
Mais par contre, le cassis, il est hyper présent. Ah, vraiment. Le cassis, on sent bien. Il est bon, par contre, vraiment bon. Il est bon, il est sympa. Il est pas trop fort. Il est pas non plus super fruité. Disons que là, on a un liquide qui est sucré, mais... Sucré, on n'est pas sur un gourmand, ça c'est sûr. Ouais, on est safe en se disant, bon, bah, il n'y a pas de sucralose. C'est du 0% de sucralose. Ouais. Et donc, du coup, c'est un sucre naturel, en gros. C'est un sucre de l'arôme qui est là, du coup, totalement naturel. Quoi. Il sent bon. Par contre, vraiment bien. C'est bon. Ouais, je sais pas, putain, je réfléchis, mais j'arrive pas à me rappeler. Ça me rappelle à quelque chose, mais j'ai plus moyen de savoir quoi. Moi, je suis. Pas un goût, une odeur qui m'est inconnue. J'aurais plutôt dit un truc genre style grenadine ou un truc du genre, tu vois. Ah, peut-être bien. Moi, j'ai cette sensation de grenadine. Ouais, c'est vrai, c'est ça. L'odeur me rappelle un sirop. Un sirop, ouais. Un sirop de grenadine ou. Mais. Vraiment bon, vraiment bien, elle est bien rond. Par contre, le cassis hyper présent tout de suite. Si vous n'aimez pas le cassis, oubliez. Et par contre, le cassis est hyper bien fait. La framboise est hyper légère en arrière. Ouais, t'as pas non plus d'amertume, enfin d'acidité de la framboise ou autre. Alors pareil, c'est une gamme qu'on a testée au Vape Expo, mais on n'a pas testé les 8 saveurs du petit berger. Ah non. Parce que sinon, il aurait fallu une semaine au Vape Expo et pas 3 jours. Et déjà, on a passé 3 jours là-bas et 3 jours où on a testé je ne sais combien de stands différents de liquide. De toute façon, j'ai compté, on avait 48 projets de vidéos en sortie de ça. Et sans compter ce qu'il y a eu après. Mais on a testé énormément de liquide. Vas-y, la prochaine, je veux pas savoir ce que c'est. Je vais essayer de deviner. Allez, je monte à 45. Mais il est sympa aussi celui-là. On est quand même sur quelque chose côté sucré. Alors, pas outrance. Et là, je pense que l'équilibre des deux. Et là, comparé à celui d'avant au cassis où on avait vraiment une dominance cassis, je pense savoir ce qu'il va me dire. Ouais, on sent litchi. On sent litchi, mais avec quelque chose qui est bien. Ouais. Enfin, quelque chose d'autre, quoi. C'est pas un litchi, c'est pas. Non, on a un litchi qui ressort. On a un fruit. Ouais. C'est con parce que c'est moi qui l'ai choisi ce liquide et je me souviens déjà plus de ce que c'est. En plus, ça, ce deuxième fruit-là, on peut dire qu'il est. C'est comme si tu ne mangeais pas encore tout à fait mûr. Sinon, il serait beaucoup plus prononcé que ça. Mais non, c'est la pêche. Ah bah la pêche, je l'avais pas du tout, hein, tu vois. Tu vois, non, je t'ai dit, c'est pas une pêche bien mûre, parce que sinon, ça serait beaucoup plus prononcé que ça. Dans un côté beaucoup plus sucré, beaucoup présent du jus de la pêche. Mais là, on a quand même ce mélange des deux. C'est un peu plus, on sent un peu plus le litchi, mais on a quand même cet équilibre des deux qui est là. De toute façon, c'est assez sympa, ça se vote tout seul, c'est bon. Il est hyper agréable. Il est agréable. Alors, moi, je pense que c'est parce que j'adore. On passe bien en bouche. J'adore le litchi, du coup, j'ai que ça là. Vraiment, je sens que ça. Tu sens que ça? Ouais. Mais par contre, la saveur litchi, elle est juste folle. Elle est vraiment hyper bonne. Le litchi est hyper bon. Ah, c'est un bon litchi. On sent qu'il y a quelque chose derrière, mais je te dis, je pense que je suis trop. Bloqué sur le litchi pour sentir quelque chose pour l'instant. Parce que je suis un fanatique du litchi.
Et du coup, voilà. Non, vraiment, vraiment bien. Vraiment bon, bon liquide, celui-là. Les prochains, c'est moi qui te les imbibe. Vas-y. Et tu devines. C'est pour l'instant, on a quelque chose qui est vraiment très fidèle au nom de la gamme. Vraiment, avec des saveurs fruitées authentiques. Oui. Alors, pour l'instant, on goûte que le troisième, alors qu'il y en a 8. Donc, à voir avec tous les autres aussi. Parce que j'ai vu dans les autres qu'on avait des saveurs assez sympas aussi. Alors là, le mélange est hyper intéressant. Ah. Pourquoi ça? C'est un mélange des deux qui fait un goût. Ouais, fois, ça des, fait parce un que des fois, il y a des arômes comme ça où tu prends et le fait des mélanges des deux, tu ne retrouves pas spécialement le goût de l'un ou de l'autre parce que ça fait vraiment un. Ah non, là, tu distingues vraiment bien. Ouais. Tu distingues vraiment bien les deux. Mais par contre, il est hyper agréable à vaper. Ouais. Mm-hmm. Le mélange des deux est assez surprenant. Ouais. C'est le liquide que tu avais choisi, ça? Ouais. On n'a pas de prédominance. Non, c'est un mix des deux qui est vraiment, vraiment bien, bien fait. Je pense un peu. 50-50, quoi. Ouais. Ouais. Du kiwi? Ouais. Avec pas un truc, ça sera pas un truc du genre kiwi fraise, kiwi mûr ou non? Non. Ah, tu vois, c'est ce que je disais, c'est le mélange des deux qui fait que ça a un goût. Ouais. Alors c'est deux de mes fruits préférés. Vraiment, ça fait partie de mes deux fruits préférés. Ah bon? C'est un mariage sur lequel j'aurais jamais pensé faire un milkshake, par exemple. Enfin, un smoothie, par exemple. J'aurais jamais pensé faire ces deux saveurs mélangées dans un seul smoothie. Ouais. On a du kiwi, donc ça tu l'as trouvé, qui est légèrement plus dominant que la mangue. Ah, la mangue! Ah bah oui, si, non, bah c'est ça aussi, la mangue qui vient enrober tout. Ouais. Donc, surprenant du fait que on n'a pas une prédominance du kiwi ou de la mangue. C'est vraiment un mélange des deux, une enveloppe. Ouais. Mais très sympa. Très sympa, ouais. Ça se voit tout seul, je l'apprécie. Pour l'instant, je pense que c'est un de mes préférés pour l'instant. Ah ouais? Ouais, ouais. Franchement, ouais. Parce que c'est pas habituel, comme tu dis. Ouais, c'est pas un truc sur lequel on a l'habitude d'aller. Bah ouais, donc ouais, j'ai bien aimé. Mes mariages vraiment parfaits. Donc le petit dernier, c'est un liquide que tu as choisi. Ah, je sais celle qu'elle a là. Très très bon choix. Ouais, vraiment très très bon choix. Parce qu'on a quelque chose de très doux et très agréable. Ouais, bah c'est ce que je me suis dit, le mélange des deux. Bon, c'est un que j'essaie de deviner, je sais c'est quoi, vu que c'est moi qui l'ai choisi. On est sur de l'ananas coco. Tout à fait. Et de toute manière, rien qu'on est là, que la vapeur, j'ai senti le coco. Ouais. La coco est bien présente. La coco, ouais, est au-dessus, légèrement au-dessus quand même. Ah bah tu vois, ça sort rien qu'avec la vapeur. On a un ananas qui est un peu discret, mais qui va pas être acide un petit peu comme il peut l'être dans certains liquides. Et donc du coup qui va être très léger, très doux aussi, vraiment un peu discret derrière le coco. Si vous aimez le coco, c'est un liquide que vous allez adorer. C'est bon, sauf si vous n'aimez pas l'ananas, mais l'ananas, je vous dis, c'est vraiment très léger en fin de vape. Tu prends tout de suite la grosse bouffée de coco. Ouais, ouais, voilà, la coco, ouais. Mais c'est pas non plus fort prononcé en coco, parce non. Que justement, on a l'ananas qui vient casser... le truc, c'est doux. Ouais. Ah, c'est hyper agréable comme vape. Par contre, coco, il reste sur la langue. Après. Ouais. Ah ouais, bon. Ah, le mélange est vraiment sympa.
Et un bon, pas trop sucré, une petite note de sucre, mais léger. Le tout est assez doux. Pas de fraîcheur, rien, de la nano, quoi que ce soit. Ouais. On a un liquide bien arrondi qui est vraiment bien, ouais. Hyper agréable, une bonne vape en fait. Ah, une bonne vape bien détendue. Celui-là aussi, ça sera mes deux préférés du coup, la nana coco et le kiwi mangue. D'accord. Ouais, ils sont vachement bons, ouais, putain. Ah, coco, j'ai pas l'habitude en plus de vaper de la coco. Non, moi en plus, c'est vrai que je suis pas trop coco, ouais. À la base. Hein. Bah, moi le coco, j'aime bien, c'est quand tu les achètes, les autres coco. Ah ouais. Ouais, que je les vide, puis qu'après, dedans, je vais mettre du rhum. Forcément. Et puis après, je laisse la coco tranquillement macérer. Mais c'est vrai que là, ouais. Alors moi, je partirais, pour mes préférés en tout cas, je partirais sur justement cette ananas coco. Ouais. Avec justement cette pêche litchi. Parce que je suis un grand fanatique du litchi. Mais c'est qui sympa aussi, litchi. Hein. Il est vraiment hyper sympa. Donc toi, c'était du coup kiwi mangue et ananas coco. Ouais, ouais, parce que litchi framboise, je connais ce style de saveur de mélange, un petit peu. Donc c'est quelque chose qui reste bon, mais moi pour changer de ça, ouais, je reste sur le coco et kiwi, ouais. Donc on en a testé 4. Ouais. Il y en a 8. Oh, donc. Donne les autres, donne les autres. Et ben je vais te demander, comme les gens qui regardent la vidéo, de patienter un petit peu. Parce que les prochains, donc du coup les prochains, on va pas vous donner les saveurs, hein, mais il en reste 4. Les prochains du coup de la gamme Le Petit Verger seront du coup présentés lors du calendrier de la vape 2021. Je le rappelle, qui aura lieu du coup du 1er au 25 décembre 2021. Et on vous fera une vidéo ensemble sur ces liquides. J'imagine que tu veux les tester en même temps que moi. Je dois accepter l'invitation. Parce que bon, vous savez que le calendrier de la vape, comme ça fait au total 25 vidéos, je ne peux pas demander à Benjamin de venir 25 jours tout le temps. Donc il y aura des vidéos où forcément on sera... Oh coucou, je peux quand même venir 20 jours sur 25. Donc il faudra qu'on tourne plusieurs vidéos par jour. Je vous rappelle du coup que c'était des tests en 0 mg de nicotine. Vous avez un petit packaging. Bon, ça ouais, c'est vraiment le packaging goodies qui était vraiment sympathique. Vous avez la possibilité de les avoir en 50 ml boosté en arôme. C'est du sans colorant et du sans sucralose. Voilà. Hein. Donc des liquides qui sont propres et agréables pour tout le monde. C'est du Made in France, on le rappelle. Donc c'était Le Petit Verger par Savorea. Donc n'hésitez pas, je vous mets tous les liens en description pour vous procurer cette gamme. Donc Benjamin. Alors, bon, on est sur une gamme donc de fruité, verger, ouais. Donc sur le fruit. Des mélanges, bon, sont tous en double, hein, c'est tous deux arômes à chaque fois. Ouais. Donc, deux arômes à chaque fois, simple, voilà. Donc pas trop de complexité, on retrouve les saveurs. Et on est sur des fruités assez comment dire, assez ronds, assez doux. Ouais. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui va vraiment attaquer fort sucré ou autre. C'est une gamme sympa, je suis ravi de l'avoir découvert. J'ai apprécié les 4 qu'on a dégustés, dont mes deux préférés que j'ai cités. Je pense que ça peut être intéressant, j'ai pas encore eu le temps de vaper sur la journée entière ou sur plusieurs jours. Mais je vais m'y mettre pour voir un peu ce que ça donne, si on a toujours autant de plaisir à la fin de la journée ou le lendemain. Ouais, c'est ça. Et c'est puis, au pire, je vous dirai quoi en commentaire. Voilà, et vous, du coup, vous aussi, si vous avez testé du coup cette gamme. Ou si vous allez la tester, revenez sur cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Nous, on fera la même chose du coup. On va le tester sur le long terme et puis on vous dira dans les commentaires du coup ce qu'on a pensé de tout ça. Du coup, là, c'était Le Petit Verger. Vous verrez dans les prochaines semaines arriver la gamme Le Petit Gourmet qui est par Savorea. Et donc ça. Des gourmands, yes. Voilà, c'est tout gourmand. Tout gourmand. Là, c'était tout fruité. Et le prochain, ce sera tout gourmand. Donc, nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et une bonne vape à tous. Salut !